Bonjour YouTube. Bonjour ton tube. Fin de mon tour YouTube. C'était bien, hein? Gros tour. Voilà, à la prochaine YouTube. Donc on est toujours sur. J'allais dire Deep Rock Galactique. Non. 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 Nous sommes toujours sur For the King, nous sommes toujours en pleine mer. Voilà. Et nous allons rentrer into The Darkest Dungeon. En plus, je crois que c'est ça. La grotte sombre. Incroyable. Ouais. Vas-y. On voit tout, et on est toujours avec Shinai. Bonjour Shinai. Bonjour. Ah, j'ai pas fait le bon. C'est parti, hein. On sera là, bien sûr, pour le DLC, hein. Évidemment. Il faut le crocheter ou pas? T'as un parchemin d'identification? Ouais, j'ai ça. Ouais, tiens, vas-y. Identification. Yes! C'est un coffre au trésor. Ok, vas-y, go. Je sais pas, pour une fois qu'on en a un, hein, autant l'utiliser. Écoute. Du rhum, je te le laisse. Ouais, je veux bien, merci. Hein. Ah, parchemin de portail, je veux bien aussi, hein, parce qu'avec le rhum, c'est toujours bien d'ouvrir des petits portails quand t'as trop bu. Ça fait des surprises. Ça, c'est pour le fumeur de mauvais shit, c'est pour l'esquive de téton, là. Vas-y, fume ça. J'utilise maintenant ou j'attends que ma. Ah, oui, tu peux attendre, oui, qu'on aille acheter ta pipe niveau 3, en effet. Mais garde-la, merde. Garde-la quand même. Putain. La garde. Je fais passer par réflexe. Ah, c'est dommage, Jack. C'est dommage. Vas-y, on est prêt. Bon, de toute façon, je te rassure, à notre niveau, ça aurait pu changer grand chose, parce que ça te donne genre 120 XP, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Ça va être plus ou moins une blague. Ah non! C'est quoi ce crâne? Ah non. Caca, caca! Défoncez-moi ce crâne! Défoncez-moi ce crâne au secours! Ok! T'as réussi à passer les 25 de magie, espèce d'enculin. Oh, le niveau de ce fumier. Hop, le niveau de ce fumier. Voilà, maintenant essaye de faire des effets magiques avec ton choc électrique sur le coude. Si tu traverses pas l'armure, tape plutôt le zombard. Ok. Frappe le même. De toute façon, elle ne fait que frapper. C'est pas de coup qui me frappera. Brochette de cadavre assoiffé. Je recharge. Un peu sec. Voilà, il peut plus te détruire ton stuff. Ben voilà. Sinon, il va te détruire ton stuff. Heureusement, j'étais HAL. Contre les baffes de zombies, hein. Les mecs, ils font tellement de dégâts, man. Je vais continuer à marcher à charler sur le même. Parce que t'as plus qu'à finir zombie tranquillement. Hein. Voilà. Ça, c'était un critique très utile. Hein. Bien sûr, c'est toujours plaisir, les critiques dans le jeu. Et ça dégage. 76. Oh, les voilà. Dans la poche. Dans ma poche à moi. Ah, j'ai quand même 25% de dégâts supplémentaires contre les morts vivants. Et mais... T'as des bonus sur tout, mec. Ouais, c'est vrai. T'as des bonus partout. C'est grâce au bonnet, non? Ouais, c'est le bonnet. Qui n'en a pas? Bah, tétonneux, il en a pas. Le moi. Ça, c'est pour du biche. Attends, par contre, on peut vraiment planter nos... Ouais. Ouais, carrément. On tape qui? J'ai envie de dire, si tu peux one shot le grand garou, c'est top. Mais je pense pas. Alors le grand garou non, mais lui oui. Ah, tu peux one shot celui-là? Il y a combien de résistance? 8, 4. De toute façon, tu perds sa armure. Hein. Si tu perds l'armure. Non, avec l'attaque normale non. Et avec l'attaque normale, tu le one shot? Non, avec la double attaque. C'est... En fait, bah, l'attaque si, normale. Normalement, c'est le headshot, tu transperces l'armure normalement, non? Alors, non, c'est l'attaque normale qui ignore l'armure et l'autre, non. Ok. Alors, pan, appui. Un peu fort comme perso. Hein. Voilà. Bah, moi, je vais choc électrique celui-là sur le coudant. Yeah. Voilà. Puis, bon, je te propose de tuer le lutin ou de tuer le grand requin, ce que tu peux éclater. Hein. Alors, le lutin. Normalement, t'as assez pour lui coller un parfait, là.
Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et prochain tour, et bah la fin de la fête. Ah non, il est pas normal. Zéro ouais. dégâts. T'as passé mon armure électrique. Tu peux recharger. Ah ah. Non, il fait du renvoi de dégâts. Ah oui, ça compte comme une attaque sans arme. T'as de la chance. Critique qui va bien. Critique qui va bien. Dans son même sang. Ah non, sang, je le tuais pas. C'est récupéré. Wow, ça pique les yeux. Mon dieu. Mais en vrai, c'est grave bien. Et là, tu vois, quand t'es un banjo man, t'es quand même bien content d'avoir 10 d'armure, 10 de résistance, c'est ouais. beau. C'est quand même très beau. Bah, ils sont très très puissants, je trouve, hein, les stuff. Oui, oui, tout à fait. En fait, le mage est totalement boosté dans le la résistance. Le guerrier est totalement dans le dans le physique, ouais. Dans le physique, et le banjo, il est équilibré dans les deux. Ouais. C'est un truc de fou. Comment ça va un peu de tout? Vanax qui n'en a pas. File à Samael. C'est moins bien. J'ai un dégât supplémentaire. Ah non. Avec l'épée? Enflammée? Ouais, mais l'épée est enflammée justement, elle met du moins 6 sur les... Ouais, mais elle a pas les fracas, c'est ça, lui il a étourdir, et le problème c'est que la majorité des boss sont immunisés. Ah, l'étourdissement ouais. Et la plupart des guerriers aussi que tu vas sonner, c'est ça qui est chiant en fait. C'est... La massaillette est vraiment bien, mais en fait elle est nulle. C'est ouais. Parce que les mecs sont trop forts en face. Petit collier. Bah, tu l'as déjà, je crois. Ouais, je l'ai déjà. J'ai juste changé de collier, parce qu'on aime bien changer pour rester jeune, quoi. Ouais. Moi, j'ai déjà changé de chapeau. Change de collier, quoi. Massage du coup. Vite, un trésor. Oh, j'étais pas loin. Yes. C'est bien. Ok, voir les marchandises, acheter des pipans d'os, acheter, acheter. Acheter, voilà. Barbe de Dieu, j'achète tout. Panax, j'achète tout. Derpy, j'achète tout. Racine dorée, j'achète tout. Wood Derody, j'achète tout. Toi de feu, j'ai acheté. J'achète tout. C'était bien. Hein. Tu n'as dépensé que la moitié de notre argent. Les deux tiers quand même. Ouais, tu me fileras un peu d'argent pour que je monte la pipe niveau 3. Tout à fait. Vendre le rhum. Ah non, ça, je viens de vendre le rhum. Oh non, je suis deg. Pourquoi? Parce que j'ai vendu le rhum. Il en avait qu'une. Non, il en avait qu'une depuis de dragon. Hein? Ouais. Comment ça? J'en sais rien, mais dans ses marchandises, il a plus de pipe de dragon. Oui, mais parce que c'est moi qui suis dessus, normalement, toi, ça va être bon. Moi, c'est parce que je peux plus en acheter, je suis à zéro, parce que ça y est, je suis au max. C'est pour ça. Surtout que chez le pipier, c'est moins cher, en vrai. Oui. C'est pour ça que je me suis grouillé le cul de tout acheter. Comme un fou furieux possédé du démon. T'es en train de vendre quoi, bordel? Bah, en fait, tout ce qu'on a, hein, parce que, bon... Ça a l'air de rien, mais du coup on se travaillait depuis un moment avec des conneries dans tous les sens. Allez, parchemin de vision, parchemin de portail, voilà. J'ai juste vendu l'excédent, hein, et j'ai gardé, vrai, même les bourses de Mamadou, en vrai on pourrait les vendre. Pourquoi? Bah parce qu'on a aucun donjon où on ne peut faire des repos. Donc là en fait ça ne sert qu'en extérieur. Ah, je savais pas. Mais bon, écoute, en vrai en thune on est quand même pas mal. Le prochain à jouer je crois que c'est Samael. Je prends toute la thune à Samael. Il se débrouillera. Ouais. Pourquoi? Je sais pas s'il veut acheter une pipe lui aussi. Alors je peux jouer pour avoir un peu d'or au niveau suivant. Alors ça c'est monstrueux. Hein. Récupérer de la concentration, perte de concentration. Ouais. Soin total du crew, obtenir un objet, 200 balles, malédiction du crew, la mort. La thune, un coffre au trésor. Celui-là est pas mal. T'aimes bien les coffres au trésor. Hein. Ouais. Tu veux qu'on joue quoi? Soin total du crew.
Le plan, le plus intéressant, c'est obtenir un objet, le coffre au trésor et le. Allez, c'est parti. Obtenir un objet. Un bonbon noir. Et bah c'est récupéré. Et bah alors, maître voleur, on va récupérer du dégât. Yeah. Quand tu seras assez proche de moi, bien sûr. Évidemment. Il suffit que t'ailles acheter ta pipe et tu seras assez proche de moi. Alors y'a, on est d'accord. Ouais. Ouais, 60 balles, 225, get clicked, c'est bon, t'as tout. Voilà. Ah, t'as plus qu'à envoyer la thune, voilà, c'est ça, esquive de téton. Reste à côté de moi, je vais t'envoyer... Alors, je vais t'envoyer plusieurs choses. Je vais t'envoyer... Ah mais c'est esquive de téton qui est à côté de moi. Non, c'est... Pourquoi je peux envoyer esquive de téton? Parce qu'il fait le relais. Il a plus de portée, lui. Oh non, d'accord. Je t'ai ramassé. Je suis trop con. C'est parce que tu m'as ramassé, hein. Ah. Donc, bon, on va filer esquive de téton, hein, du coup, c'est pas grave. Ouais, bah attends, esquive de téton, je lui donne deux barbes de dieu, faudra en donner une à Samael. Yeah. Je te donne tes deux bouts de l'érudit. Yeah. Donc là, Ah oui, non, d'ailleurs, ça faudrait peut-être... ouais, j'aurais peut-être dû en garder. Et il faudra donner un bonbon noir à Jean-Claude. Ouais, je vais même t'en prendre deux parce que idéalement, je te rappelle, il faut toujours que j'ai un niveau de plus que vous parce que j'ai pas de PV. C'est vrai. J'ai pas de PV du tout et surtout pas d'armure. Surtout, tu... en fait, l'intérêt c'est que tu restes au même niveau que les maps. Et je peux pas faire d'XP en cassant des portes. C'est vrai. Mais tu peux faire d'XP en plein de choses. On fait pas d'XP en trouvant des coffres au trésor. Ce qui est bien dommage, je l'accorde, dommage. C'est bien dommage. Donc voilà, bah Samael du coup, bah soit il fait demi-tour pour récupérer son truc. Ce que je conseille de faire, enfin voilà, esquive de téton lui envoie des trucs. Et de faire une pause sur place ou aller explorer, voir ouais. La case du dessous, un truc comme ça, comme il veut. Voilà, et bah surtout esquive de téton qu'il faut qu'il aille acheter sa pipe. En ouais. Espérant que le pipier n'aura pas disparu. Parce que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai sauté dessus. Hein. Parce que des fois, il reste genre couteau. Ouh, et t'as le bord. Ouais. Bon. C'est bon, il est encore là. C'est la victoire. Un bout d'érudit. Alors, le mot d'érudit il est là. 50. Oh, ça donne 56 d'XP. Ah oui, bah ouais. Attends, je vais te filer le reste. Bouge pas. Non, mais là, c'est là le truc, c'est qu'à ce stade là, en fait, ça donne plus rien. Ouais. C'est ça qui est moche. On a vraiment pas. Alors qu'il coûte une vraie fortune, les mots d'érudit. Ouais. Côté d'un one opex. Donjon. Ouais, donjon, vas-y. Un petit repère niveau 5. T'as oublié de donner un. Pas grave. J'ai oublié de donner quoi? T'as oublié de donner une herbe verte à Samael. C'est quoi l'herbe verte? Oui, excuse-moi, la barbe de Dieu. De toute façon, je ne peux pas le. Parce que je suis pas dessus? Non, parce que Samael n'est pas dessus. Quoi? Ouais. Il n'est pas considéré comme étant sur la Terre? Non, bon, il n'est pas considéré comme étant sur l'océan. Il faut que ce soit sur l'océan. Comprendre. Ah, parce que c'est sur un bout de sable, donc c'est pas le même endroit. Ça me paraît bizarre. Ouais. Ouais, non, mais je sais pas. Je ramasse le coup. Ah. En grotte de niveau 5, hein. Ça devrait bien se passer. Disons que ça se passe mal, c'est un peu moche. Bah, comme il y a la poudre, hein. C'est gentil d'être passé, quoi. Dommage qu'il explose pas. Ouais. Mais là, je suis tout mouillé. Ouais, faut faire un choc électrique. Elle a récupéré un point de concentration. Oui.
putain, on a eu un de ces loots. Non, je veux bien le pognon aussi, en tant que tir. Oui, 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 je... Ah, rends-moi mon argent. Salaud. Rendez l'argent. Merci. Bien des babes. C'est pour toi, ça. Vas-y. Hein. Vas-y, ma belle. C'est beau. C'est beau, ce que tu fais. Il est toujours maudit, hein, au passage, lui. Ouais, mais ça lui va bien. Ça rajoute un petit style. Avec son bonnet, sa thème. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on passe en ville, on va lui enlever. Bah, c'est pas à lui faire penser. C'est pas non, mais tu vois, il vaut mieux lui enlever la force, comme ça la prochaine malédiction contre Colt, t'as une chance que ce soit la force, et du coup ça change rien. Du coup ta vie coule. Ouais. Intéressant ce donjon, hein. Allez, super. Oh, je pourrais claquer une tente. Alors là. Dieu. Propos de groupe. Je veux pas entendre parler en fait. Eh, on a pris des points de concentration, monsieur. Et il y en a un qui est full PV. Oui. Alors du coup, me faire voler, c'est très intéressant. On peut one-shot le fripon, si tu veux. C'est pas le plus dangereux, après. C'est toi qui bois. Le zombie est chiant, il colle des malédictions, par exemple. Il peut te vomir dessus, te coller une malédiction. Lui, par exemple, il peut rester encore plus mort qu'il ne l'est déjà. Oh. Ah, ça c'est du dégât, mon gars. Ça, ça fait plaisir. Ouais, t'as une résistance à la magie. Mais tu pourras pas maudire les gens. Oh, t'aurais pu one-shot le fripon quand même. C'est vrai. Ouais, tu l'as mérité. Actuellement, tu l'avais one-shot. Et l'autre là, il va recharger là. Oh, un petit coup de baïonnette. C'est vrai que c'est une attaque parfaite, hein. Juste pour le fait de venir. Vous volez quand même moins loin que les Merlings, hein. Je suis très déçu. 10 de voleurs. C'est le boss pour toi. Ouais. C'est pour ça que aussi. Toujours plus. Il a 51 de dégâts. Bien sûr, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, bon, pour continuer. Ce qui est bien, c'est que le mec qui a perdu des points de vie, c'est le mec qui récupère des points de vie. Ça, c'est beau. Ouais. Alors, il y en a deux qui sont chiants. Enfin, ouais, les trois sont chiants. Mais. Lui, il peut casser les objets, je l'aime pas. Non, je sais pas lui, c'est Bernard l'ermite qui pète les objets. Lui, normalement, il les pète pas. Ah merde. Comment s'en est battu des couilles de son gel. C'était ridicule. Juste le guerrier qui a fait quand même, ça pique un peu. C'est tout. Moi, je te plaque. Ça pique un peu, mais il fait pas assez froid en fait. Ouais. Ah. Okay. Alors, est-ce qu'on part sur un one-shotage de mage? Non, à un dégât, mais en vrai... Coup de baïonnette. Ouais, ah, la baïonnette, ça tue, je l'ai dit ou pas? Oh, l'autre, il dort, les jambes croisées, au calme. Et du coup, tu peux pas m'assommer parce que je t'ai tasé. Il est en mode pépouze. Voilà. Ah, sa tête en est tombée. Son casque. Yeah. Oh, trop bien. Je l'équipe. Il est mieux que le mien. Évidemment. Et je l'ai très bien équipé dans mon sac. Très bon choix d'emplacement. Merci. C'était exactement l'endroit où il fallait l'équiper. C'était dans mon sac. Dans les bons. Oh, un voleur qui est mort de froid. J'ai cru qu'il était en train de pioncer en vrai. Bah, ah, il est un peu pas loin. Il est cadavre, rapport de l'XP. Oui, bah oui. On est deux niveaux 9, ouais. Ah, c'est peut-être une quête. Bah en fait, j'ai jamais trouvé s'il y avait une quête au bout de ce truc. Mais bon, on l'a quoi. Peut-être un merlingue ou une connerie du genre. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'à l'occasion, ça serait bien de regarder un jour sur internet. Moi, je vais cogner, 15%. Eh, franchement, c'est fait pour moi, non? Des crochets, j'en ai, autant les mais non, tirs. Garde tes crochets, mais putain, arrête de claquer des crochets, tu me saoules. Laisse... Non, alors, déjà pour une chose très importante. Oui. Premièrement, quand le guerrier tape dessus, il gagne de l'XP. C'est vrai. Deuxièmement, parce que des crochets, je sais pas si t'as remarqué, dans toutes les villes qu'on a faites, on en a pas croisé beaucoup. Genre, on en a croisé, attends, zéro. C'est vrai.
Voilà. Et tu prives donc le mec d'XP, ça coûte de l'argent, et c'est très rare à trouver. Alors l'argent, c'est vrai que c'est plus trop un problème, mais voilà. Donc crocheter, c'est la pire idée, à part si t'as besoin. Et il y a certains coffres que tu ne pourras pas ouvrir, puisqu'il faudra impérativement des crochets. Comme celui-là, là. Bah, celui-là, il n'y a pas besoin, normalement. S'il y a besoin de crochets, c'est qu'il veut te manger le bras. Hein. Ah. C'est que c'est un faux coffre. Tu as pas remarqué qu'il avait la couleur d'une palourde et pas d'un coffre? Après, on pouvait l'embrouiller, hein. Là. Pour faire plus grand plaisir, si vous voulez. Hein. Ça fait toujours de l'XP. Hein. Une vieille carte de pirate. Oh! Elle semble indiquer qu'il y a un autre repère dans cette zone. Oh, oui, d'accord, c'est derrière le boss. Cool. Bon, on fait quoi? Bah, je dirais bien que tu nous déplaces, hein. On va où? Il faut aller vers le temple de l'eau sur l'île des escrocs. C'est au nord. Le marécage, on l'a pas fait. Hey, on n'a pas fait le temple de l'eau du marécage. Plein de choses qu'on a pas fait. On a d'ailleurs toujours pas fait le boss, hein, qui est en cours actuel. Le boss. Ah, on peut aller aussi au sanctuaire des ténèbres. Comme ça, ça me fait un sanctuaire. Yes. Alors, il est où? Il y a une grotte au-dessus de nous, déjà, qu'on peut aller se taper à la limite. Une grotte maritime niveau 7. Et après, on repique à droite vers Kundora. J'essaie de nous retrouver. Voilà. Tout à gauche, sous les nuages. Par là, à peu près. Bon, ce truc aide énormément. Ouas, je suis sûr que c'est un coffre au trésor. Ah. Oh, l'interrogation! Je fais demi-tour, c'est un coffre. Demi-tour, tout! Pénétrer avec le groupe. Défonçage. Ah, le Bernard Limite, là je bute. Oui. Ah. Quoi? Trop de PV? Trop d'armure? Trop de trucs? Non, l'armure je la perce de base, mais il a trop de PV. Bah du coup, il faut que je fasse. Bah fait, hein. Parce qu'on a déjà fait un repos de groupe ici. J'ai déjà gavé. Voilà. Un petit 80 en critique, c'est bien. Ouais! On demandait pas tant. T'esquives, tu peux les prendre ceux-là, mes gars. Ça fait quand même plaisir de plus rater un délire. Ouais. Ouais, tu le lui, c'est bien. Lui là? Ouais. Parce que moi, il peut pas m'embrouiller, mais vous, il peut vous embrouiller. Donc même toi, tape dessus avec ta baïonnette s'il faut. C'est... Et ouais, tu peux plus faire de perfect, hein. C'est dommage. Ah, par contre, qu'est-ce que tu voles parfaitement bien? Alors ça, c'est beau. Ça, vive le Merling pour ça. Merling, ça plane. Il y a une bonne pénétration dans l'air. Tu crois que c'est faisable de faire un but de coup critique? Parce que les chances de coup critique, elles sont pas ouf, hein, quand même. Hein. Ouais, mais de toute façon, elles seront jamais ouf. Mais oui, le chasseur peut. Tac, titam, c'est pour le chasseur. Le délice des voleurs, on l'utilise ou pas? Non? Si on peut l'économiser, on l'économise. Hein. Il développe bientôt. Ouais, on utilise un, c'est pas trop dérangeant. Je passe à 100%. Avec ma chance en général. Ouais. Voilà, 50 d'XP? Bah oui, oh. C'est pour ça que quand tu refuses que quelqu'un casse une porte, tu voles de l'XP mais vénère. Genre c'est 24 XP la porte, je crois. Donc t'as déjà crocheté deux portes, t'as volé 50 XP à esquive de téton. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces mochetés? Alors. Ça fait une attaque en moins. Ça fait une attaque en moins. Si je les... j'en bute un des deux. Bute le seigneur d'os. Parce qu'il fait du renvoi de dégâts pour les close combats, c'est chiant. Et il peut mettre le choc électrique. Ok. Voilà. Moi je vais essayer de taser le jeune petit vilain. Il fait que des étourdissements, tout ce qu'il fait c'est pas bien méchant. Bon, il fait des trucs chiants. C'est un peu du pire.
Par contre, les meilleurs dégâts magiques, on a jamais croisé. Hein. C'est vraiment c'est catégorique. Hein. Moi, je vois bien un peu de dégâts magiques là, ça m'arrange rien. On n'a pas fait beaucoup de. Marché nocturne en vrai. On a pas changé non plus énormément. Ouais. Toi, je peux te déteste. Et dans le dernier qu'on a fait, il y avait aucun. Je te déteste. Surtout que c'est leur move sport qu'il fallait taper là. Oh putain, je te jure, j'en ai marre. Ah, ça c'est bien par contre. La marque mortelle qui a été esquivée. C'était une marque mortelle ça? Ouais. Cher. Ils aiment te... Alors c'est pas mal hein. C'est pas mal. Mais tu perds combien de force? 5 de force. Toi qui vois. C'est beaucoup. Mais je gagne 2 d'armure et 5 de résistance. Ouais mais aujourd'hui tu rates aucune attaque à l'épée hein. C'est ça le truc. J'en ai raté une juste avant. T'as raté un dé sur je sais pas combien. Ouais. Ouais bah non, passé hein. En fait par contre quand tu joues à un mec qui a déjà beaucoup de force comme le bûcheron de base, ça vaut trop le coup. Ouais. Le moine en fait il est équilibré, il peut être soit mage, soit... C'est ça. Bah, au début le chasseur de trésors. C'était lui notre mage hein, au début. Ouais, au départ. Ouais. Jusqu'à qu'on trouve le cimetière. Le boursouffleur venimeux, on est d'accord, on n'a pas envie d'avoir un poison ouais, sur la gueule. On est d'accord. On est très d'accord. Au revoir. Ça me fait marrer les zombies qui jouent plus de connu. Moi ce qui me fait marrer c'est les morts vivants qui ont de la force en fait. Enfin les squelettes. Ils ont pas de muscles, comment ils ont de la force? J'ai jamais compris cette logique. J'ai jamais compris cette logique. Et s'il est infusé de magie, les os ils pètent au bout d'un moment. Oh je sais pas moi. Bon, je suis nécromancien dans la vraie vie. Ah. Plus de PV. T'es embêtant. Peut-être devoir passer à une auberge à un moment donné. Ouais. Le fléau, je voudrais l'économiser, ouais. Allez, c'est l'heure du loot. Pour Bibi ça. C'est de la merde. C'est de la merde aussi. C'est pas la même merde? C'est la même merde. Ouais. Ça, c'est un vrai coffre. Ouais. Je vois aucune différence, c'est ça le problème. Bah, y'en a un qui est quand même blanc. Tu vois le blanc. Ça a la même gueule! Oui, j'avais compris. J'avais vu. Oh! Mais. Alors, t'en as pas besoin du coup? Non, j'en ai pas besoin. J'ai un casque qui me donne 10 de vitalité. Oh! J'en connais un qui est content là! Je l'ai déjà. Mais oui, ah, je l'avais bien. C'est celle-là que t'as? Oui, c'est celle-là que j'ai. Ah, ok. Mais ah, on a changé le. Maintenant. On a le, ça, le bien. Vraiment le top tier. On a vraiment le top tier en fait. Ouais. Oh, ouais, là on a le top tier. À une botte près ou des conneries comme ça, mais ouais. Ok. Ramassons le crew. Oh! Tu vois, il a quoi? Bah, il y a la plate royale. Il y a la plate royale et il y a l'équipement de l'assassin. Tu l'as déjà, je crois, l'assassin, on te l'a déjà acheté, non? Non, non, celui que j'ai, c'est le. Bah, ça peut être intéressant parce qu'il y a aussi les jambières des enfers pour changer les bottes éventuellement de ton guerrier.
Oui, ah oui, deux dégâts. Je perds un dégât physique. Mais je gagne un d'armure et un de résistance et deux de renvoi de dégâts. Et t'auras l'immunité aux brûlures, ce qui fait que petit à petit, si tu veux, tu pourras virer du sac élémentaire à un moment donné, par exemple. Si ouais. Ouais. Si je le quitte, il disparaît ce machin ou pas? Normalement, non. Après, je peux te faire un transfert dessus, non, si tu veux. Ouais, bah vas-y, fais le transfert. Je pense qu'on va acheter les trois trucs, hein. Bah, attends, je vais d'abord regarder sur sa mail ce qu'il a. Il a la cape de l'ombre. Donc, la 4 de l'ombre qui lui donne, je crois que c'est la plus 4. Non, c'est plus 5. C'est 7 d'armure, 7 de résistance, 8 d'esquive, 5 de vigilance et discrétion d'élite. Et celle-là, elle donne quoi? 9 d'armure, 9 de résistance, 10 d'esquive, 5 de vigilance, discrétion d'élite. Elle donne quand même plus d'armure et plus de res. Ouais. Et 2 d'esquive supplémentaire. Et 2 d'esquive supplémentaire. Donc, ouais, elle est mieux. Elle est mieux. Ouais. Bon bah j'achète tout. Parti pour acheter le top tier. Alors, équipement d'assassin, ça va à Samael, ça équipé, et ça équipé. Pas de regret. Ah non, c'est bon. Attends que tu me refiles ma thune, on est bon. Mais par contre, il y a quoi d'autre? Il y a pas des petits bonbons, des hortensias? Non, il y a pas. Hein. Oh, les bonbons, c'est tellement la vie. Hein. Il y a rien d'autre, hein, c'est dommage. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, tu peux quitter les lieux. Hein. Et ouais. Contourner les lieux. Je veux juste équiper ça. Et du coup, attends. Je vais faire les choses bien quand même, vraiment. Parce que... Ah ouais, non. Merde. Ah oui, tu voulais les vendre de nouveau? Ouais, j'ai pas pensé. Oh, c'est pas grave, file-moi tout, je vendrai ça plus tard. Ouais. C'est pareil, hein, j'ai du merdier à vendre. Oh, y'a pas quoi, c'est quoi? Tant qu'à gaspiller mon tour. Au pire, tu le régènes, tu passes un tour de régène. Ouais, c'est vrai. Il te reste quoi là? Combien de mouvements? Wow. Et on a bon, combien de merdier? On a quoi comme merdier sérieusement? Et encore on a fait qu'un donjon. Ouais, je vais m'arrêter sur place, je vais vous laisser me ramener à nouveau. Ouais. Parce que j'ai 70 PV, on est bien. On a quand même vachement progressé. Hein. Ouais. Le capitaine, il fait mal. Hein. Ah ouais, mais le capitaine, je ne le laisse pas. Peu importe la façon de faire les choses. Ouais, mais bourre-le quand même. Hein. Ah ouais, tu voudrais arracher une goule. Ouais. Ça fait toujours une attaque en moins. Ouais, mais enfin, le capitaine, on pourrait l'avoir en deux baffes du coup. Alors je vais faire lui assurer un 57 dans les dents et pas un 86 à 75% de chance. Ah si, c'est intéressant 86, pourquoi pas? Pourquoi pas 86? Parce que il perd pas l'armure. Donc et alors pas fort. Okay. Ça fait quand même plus 76 que tu rentres. Mais par contre, merci de pas l'avoir assuré. Même avec il faut que je mette deux points pour l'assurer. Mais t'aurais quand même pu essayer au moins d'en mettre un. Ça va, il tape le mec qui esquive. C'est pas vrai. Bon, il meurt. Oui, il esquive, il a 9. Mais c'est quoi 9%, c'est 100%. Ça marche pas dans mon cas. Bah la preuve que si. Ah non, il faut tuer parce que sinon il récupère des PV. Hein. Pardon, je crois que c'est l'autre en fait. Je crois que c'est ça. Normalement il joue avant, c'est pour ça.
ça vole moins loin qu'un merlingue. Toujours cette éternelle remarque. Par exemple, ça c'est intéressant, tu vois, par exemple, si jamais tu peux remplacer ton usec élémentaire. Non, ça me remplace mon crâne doré. Ah, c'est le crâne doré, ouais, non, c'est inintéressant en fait. Ouais, je perds 3 de dégâts physiques et 8% de chance de coup critique. Mais j'ai quoi sur Samael? Attends, faut que je regarde, parce que pourquoi j'ai remplacé le crâne doré par ça? T'as autre chose sur Samael? Ah oui, j'ai le truc qui me donne de la vigilance. Ouais, attends. Parce que là, concrètement, je suis à combien de vigilance max? Ah, j'ai un de concentration supplémentaire. Déséquipé, fais voir. Je suis à 91 avec ce truc. Ah ouais, je passe à 95. Ouais. Ouais, sauf que tu viens de te niquer un point de vigilance. De concentration, tu veux dire? De concentration, ouais. C'est comme les trucs qui donnent des PV. Si jamais t'avais. Si t'avais, genre, je veux dire une connerie sur ton guerrier, si sans son item, t'avais 120. Quand tu l'enlèves, donc tu tombes à 120, mais quand tu le remets, tu repasses pas à 123, tu restes à 120. D'accord. Donc, voilà. Non, t'as rien à ça. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est que les fléaux d'herpli, j'en ai pas besoin. Voilà, comme ça, vous en avez 3 chacun. Et oui, j'ai beaucoup trop de panax aussi. Mon guerrier n'en a que. Oui, mais c'est parce que t'as lu sec aussi, mon gars. Ouais. Tu sais qu'il est élémentaire, donc si tu veux, il y a que le poison qui peut te faire du mal hein, actuellement. Donc c'est pour ça que je t'en file qu'une. J'en file juste une. Ah oui, et on a aussi les racines dorées. Non, bon, regarde normalement, normalement, il y a surtout lui et moi qu'en avons besoin, donc. Voilà. Ouais. Après. Ha 10%, c'est 100%. Bon, qui comptes-tu? Le boursouflore venimeux. Ouais. Critique inintéressant. Genre y a que lui que je peux buter d'office. T'es sérieux là? Je suis à 95%. Cette balle là n'a pas. Ah oui, c'est vrai, je m'envoie. Bon. Je peux tuer le voleur en dernier. Ok. Parce qu'il n'a que des attaques à 1 et bah, il a le choc électrique donc il peut que tout rater. Tout le temps. Je peux le tuer? Vas-y. Il est dernier. Oh, vous volez pas hein les humains. Ouais, y'a que le Merlin qui fait des super. Ça roule quoi. Ça roule le Merlin. Je vais peut-être vous faire un petit soin de groupe quand même. Ouais, après je peux me soigner, hein. J'ai une barbe de dur si tu veux. Après, vu que les autres sont pas trop amochés. Alors, le requin garou. Le Torvesprit esprit. Le Torvesprit. Tu peux le one shot ou pas? Ouais, je peux le one shot. Vas-y. Parce que vous va vous faire des actions débiles. Moi, je suis immunisé, mais vous pouvez tout simplement quitter le combat. On s'en passe avec bien. Avec un point, c'est que 85. Hein, c'est horrible. Hein. C'est déjà mieux. Ouais. Ça va. Et ça passe. Surtout que c'était 85 à la place de combien? Bah moitié moins en fait. Bah voilà. Donc c'était à moins de 50. Non, 75. Pour 10%, pardon, je crois que c'était les dégâts que j'avais mis. Pardon. Ouais. Ouais, hein. Ouais, vas-y. Capturera peut-être au prochain tour. Ça
ça tape un peu hein. Aïe. Arme de dieu. Alors elle est où? Non, mais tu vas nous faire un soin de groupe hein, du coup. D'accord. Regarde, tu joues en 3ème. Ah oui. It's true. Soin de groupe s'il vous plaît. Pas misclic. Merci. C'est bien le moment où il fallait pas misclic. Je ne suis pas un bateau. Ah, je vais mettre le perse armure hein. Il y a 4 tours donc c'est pas... J'ai la peine de faire un truc qui peut échouer alors que... Maximus! Comment ça? On va vendre le chaton. J'ai équipé le chat. T'as équipé le chat? Oui, parce qu'en fait, il me manque j'ai 2 points de concentration que j'ai dépensé et j'ai une pierre de concentration qui me permet d'en avoir plus 2. Donc en fait, je perds rien à l'enlever pour l'instant et vu que j'ai plus de PV, bah, pour l'instant, je mets le chat. D'accord. Comme ça, là, il y a 2 endroits où je vais pouvoir récupérer un peu plus de PV. Voilà, tout simplement. Du génie, hein. Du génie. Et oh. Tiens, regarde, la meilleure des choses qui t'arrive. Le grimoire de temps. Ah, mais y'a rien. La lame draconique. En vrai, moi, le grimoire d'écho est plus puissant que mon bâton. Ah ouais. Bah, prends-le, hein. Je sais pas. 3 dégâts de plus. Ouais, mais bon, le choc électrique, c'est fort. Oui, c'est toujours aussi fort, ça. Après, j'ai quoi? J'ai du gel, j'ai du choc, j'ai de l'allumage. Mais avec tellement de succès qu'il faut faire derrière. Pff, wow. Ah oui, par contre, ah oui, d'accord, l'explosion d'écho de base, c'est très fort. Ah oui, d'accord. Oui, non, alors en fait, ça fait 26 de dégâts sur le mec que je vise, mais ça touche à 13 de dégâts les mecs à côté. Ah, pour juste 3 réussites. À toi de voir. C'est un peu fort. Il y a une lame draconique qui traîne dans le coin, là. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, j'en pense que je vais aller comparer le truc. Jambière des... Ah, attends, quoique, la jambière des enfers. J'ai quoi sur sa mail? T'as mis sur qui, les jambières des enfers? Sur sa mail? Non, sur l'autre, justement. Hein? Ouais. Ah, sur esquive de téton. Ah oui, sur sa mail, tu dois avoir des bottes qui te donnent de la vigilance. Non, même pas. Même pas? J'ai les chaussures de rapidité. 1 d'armure, 1 de résistance, 1 de bonus de mouvement, 5 de vitesse. Ah oui, 5 de vitesse, oui, pour jouer en premier tout le temps. Mm-hmm. Comme tu veux, on peut t'acheter des jambières si tu veux. Mais du coup, les jambières, avoir 2 de dégâts supplémentaires. Eh oui. Tiens, je te donne ça tout de suite. Merci bien, brave. Tiens. Et je peux te filer le délice du voleur pour le vendre si jamais tu veux. Parce que c'est quand même 45 PO. Oui, mais ça peut nous permettre de craquer automatiquement un piège. Donc gardons-le. Pas besoin. En vrai, on garde beaucoup d'objets qu'on pourrait certes claquer au fur et à mesure, mais il vaut mieux les garder pour quand t'es dans la merde. Sait-on jamais. Alors par contre, la lame draconique. Oui. Peut être intéressante parce qu'elle me donne de la vitesse supplémentaire. Et elle ignore l'armure de base. Mm-hmm. Et il ne faut que 3 réussites pour il faire ne faut que 3 réussites. Au lieu de 4. Exactement. Et tu peux réinitialiser les gens. Donc leur faire sauter un tour. Et combien de dégâts fait ta lame? 28, 28. Les deux sont 28. 28. Du coup, tu testeras ça. Hein. Je vais tester ça tout de suite. Voilà. Bah, moi, perso, je l'aime bien. Couteau que j'aime beaucoup. Ouais. Passer la boutique. Deux PV. Je ferais pas un petit soin de groupe. Un petit quoi? Un petit soin de groupe. Ah non. Non, c'est bon. Et bientôt.
Ah, j'ai chopé une barbe de dieu. Ouais, je viens de t'en envoyer une et j'en ai envoyé une à Samael aussi. Ok. Donc t'en as que 13, mais nous, du coup, on en a deux par contre. C'est cool. On a un peu moins dans la sauce, si j'avais besoin. Un coffre. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir d'en savoir? Ouais. Il est mieux qu'on bâton, ça me dégoûte, tout est mieux qu'on bâton. Non mais on se fait vraiment des couilles en or en ce moment. Non, on est pas trop mal. Le déluge approche. Ah, pas bouger à haut. Et régénérer. Voilà. Ow. Pas bouger à haut. Pas bouger à haut non plus. Guerrier, bougez haut. Pour aller jusqu'à la grotte suivante, mais tu ne déclenches pas le combat. Non, on rentre pas, on rentre pas. T'allais faire une bêtise. Voilà, comme ça, nous, on amasse mouvement sur la mer. Ouais. Du coup, on ramasse personne, évidemment. On passe notre tour, et là, je fais 11 PV. Voilà. Tu fais pareil, tu prends 8 PV. Et là, tu peux nous rentrer une fois que j'aurai équipé ma merdouille. Vas-y, j'attends. Tout équipé. Pareil, c'est quand vous voulez. Voilà. On en parle qu'on a un personnage qui a 54 de dégâts. Ouais. De base, hein. De base. Ah, bah on commence par une petite boutique. Allez, c'est parti. Faites péter les barbes de Dieu, monsieur. Ah, on en fait, achète une. On est trop pauvre, monsieur. On vend ça. On vend ça. On vend Maximus. On vend Maximus. On vend les bottes de fer, on vend la paire de ses morts, on achète une barbe de dieu, et on est fauché. Il y a une amulette de régénération, il y avait un lutte royal, il y avait un super casque. Hein. Ouais. Super casque. Qui est au-dessus du tien d'ailleurs, je crois, c'est celui du dessus. C'est ça. Et pour moi, il y avait les bottes de mystique pour avoir beaucoup plus d'intelligence, et il y a la botte d'assassin aussi. Non. Pour avoir beaucoup plus de vigilance. Et de vitesse. Je peux pas aller à plus de 95. Oui, mais par exemple, tu vois, par exemple, dans l'intérêt, par exemple, prenons moi. Si par exemple je partais sur des. Pas des bottes de mystique. Mais par exemple, ce qui pourrait m'intéresser, c'est moi le caillou magique autour du cou qui donne genre plus 5 d'intel. Mm-hmm. Parce que du coup, je me retrouverais à 96. Si bon, là, ouais, c'est pas un bon exemple parce que j'ai un personnage qui est trop nul et qu'en vrai, je suis stuffé parfait. Après, c'est toujours intéressant à prendre quand même parce que ça me donne un peu plus d'armure et un peu plus de résistance. Hein. Ça me donne quand même 2 d'armure supplémentaires et 2 de résistance en plus. C'est vrai. Donc, en vrai, ça reste intéressant quand même. Mais c'est surtout que si t'es en excédent, bah, à n'importe quel moment, tu peux virer une de tes pièces de stuff pour par exemple bah, justement les bottes des enfers. Comme porte Samael, qui vu que lui il est au max, bah, il peut se permettre de porter des bottes qui lui donnent pas de bonus. Voilà. C'est vrai. C'est ça l'intérêt. Mais ouais, bah à l'occasion, il faudra qu'on les achète. Donner une, deux. Voilà. Et on est bon et on peut passer cette boutique. Paris, c'est quand vous voulez. C'est qu'en vrai, il a que une, deux. Ah, il a 3 pièces qui lui donnent de la vigilance. Ouais. Après, c'est quand même le personnage de base qui commence avec le plus de vigilance. Faut aussi le rappeler, quoi. Oui, ça sent complètement. Ça vole pas bien, l'humain. Voleur, maître voleur, si tu peux le one shot, je sais pas si tu peux. 42, non, je peux pas. Ok.
Bon, sinon tape dessus et moi je le tue juste après, comme ça ça fait une attaque de moins après. Voire deux attaques de moins d'ailleurs au passage. Ouais. Ah l'humain ça vole vraiment pas du tout hein, c'est lourd hein. Ah cool d'avoir des chaussures en plomb. Ah parfait, pourtant il aurait pu te toucher hein. T'en aurais eu rien à foutre. La prochaine est pour ta gueule, gamin. Voilà, un petit one shot. De thunes. On est fauché ça en fait. J'ai pas pu acheter mes bottes. J'ai un serpent dans ma botte. J'ai un serpent dans ma botte. lequel? Voilà, des pouilles desséchées par exemple. Tu calcules plus de PV. Hein. Moi tu pouvais bien sûr one shot l'ours des cavernes. Bah si j'avais fait un critique, oui. On bloque, on esquive et il se prend quand même 2 dégâts dans la gueule. C'est un peu moche, ouais. Vas-y, tue la goule. Chiant d'os. Bah non, y'en a un qui va lui mettre un coup de baïonnette, ça va être. Ouais. Un petit coup de baïonnette. Le petit coup de baïonnette. Voilà, la baïonnette tue. Ouais. Et moi, comme ça, j'ai pu mettre le choc électrique sur l'ours. Ce qui m'empêche de faire des parfaits. De toute façon, tu prends des dégâts gratos comme ça. Bah oui, grâce au bot des enfers. Un bûcheron en full stuff des enfers. Ça pique. Hein. J'ai jamais vu le. C'est la première fois que je vois ce. Oh bah t'as pas vu la cuirasse. Bah, j'attends de la voir. Avant du rêve. Hein. C'est là où t'es dégoûté d'avoir fait des personnages qui ont pas des stats assez fortes de base. Bah ça, ouais. C'est pour esquive de téton. Hein. J'ai pas l'habitude de récupérer du stuff. Oh. On a remonté le stock de barbe de dieu, c'est bon. Ah, alors que des relous. Bon bah, si tu peux one-shot le Torve Esprit, c'est bien. On va assurer le coup. Hein. 81. Ah, ok. Bah... C'est pas trop fait les dégâts, toi. Il était pas censé quoi? Non, j'ai pas compris. Non, il était censé avoir de l'armure, le non, de la résistance magique, pas de l'armure. Je confonds toujours les couleurs. Et yes. D'accord. Bah écoute, capitaine pirate, hein. Ouais, si tu veux. T'en fous, de toute façon, tu perces. Oui, les deux en dedans. La prochaine est pour ta gueule, Franto. Je suis débilus. C'est normal, t'as un casque sur la tête. Depuis trop longtemps, du coup ton crâne a fusionné avec le casque. T'es juste devenu une boîte de conserve. Je suis devenu nain. Ah non, pas encore. Je n'ai pas ce stade encore. Je ne fais qu'un avec le caillou. Fait qu'un avec mon cheval. Ceux qui ont la rêve. Un petit soin de groupe? Non, on va bien. D'accord. Ok, on va bien. Samuel va super bien. Il est super content. Il fait sa meilleure vie. Par contre, on s'est fait vraiment plaisir en. Ah bah tiens, mon casque. Ta robe. C'est vrai que j'ai pas changé de robe depuis au moins un donjon. Mince, elle a pas changé de couleur. Ça les emmerderait de me filer les bottes. Réponse, bah oui en fait. Bon bah Samuel, il va dormir sur place. Hein. Ouais. Go faire la sieste. Dodo, l'enfant dodo. Et c'est encore le guerrier qui va nous trimballer à travers le monde. Ouais. Portez-nous, guerrier.
Moine guerrier. Bah en fait t'es un templier. Ah. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Quel coup de tête. Ok. Moi je dis que billetteux. J'ai un peu de concentration je crois. Ouais, t'en as un peu beaucoup même. 5 en esquive, 5 en... Putain. Ouais. 5 en vitesse, ça fait plaisir. Surfer sur la wave, c'est pas bon. Quoi? Un dégât au navire? Alors franchement ça c'est la vie. Ça c'est dégueulasse ma bonne dame, sachez-le. Alors je... Ouais, je vais faire ça. Service, moi j'ai besoin de rien. Marché. 3 barbes de dieu, 300 balles, comment ça coûtait cher. Talisman, le 4 de talent, on s'en pète, le 1 de concentration mutale, on s'en pète. Ça, tu vois, par exemple, les perles enchantées, si j'avais plus d'intelligence, si c'était magicien de base, par exemple, ça c'est très intéressant. 2 de résistance, 2 de dégâts magiques, 1 de concentration max. On aime bien, on a un arc électrique qui est très sympatoche, au passage. Mais bon. Ouais. Ah, on a retrouvé ton épée qui a été remise au marché, visiblement ici. Vendre. Le gobelin est revenu jusqu'ici pour vendre. Voilà. Vendre. Vendre. Et c'est vendu. Faudrait que et je donc trouve 500 balles. Bah, je vous attends sur place pour vous filer. Ouais, pour enlever de quoi les... vous payer tout ce qui va bien. Ou vous me filez. Ou vous me rapatriez dans le bateau. Et vous, ouais, vous me rapatrierez dans le bateau. Et je vous filerai les thunes. Ouais. Comme ça, Samel pourra aller et se faire enlever ses malédictions. Et puis on fait un coup. Alors bouge pas, je te donne ça. Hop, ouais. Samel. Et allez, puis on sert un petit coup. Alors. Service. Déjà. Bénédiction. 105. Putain, c'est de la vache, ça coûte cher. Et l'auberge. Ah, mais je te rappelle combien ça coûte une, un flot de harpie. Ça coûte 135 balles sans l'inflation. Mm-hmm. Et en plus c'est rare. Donc, et là t'aurais dû en cramer 3. Parce que ça t'enlève qu'une seule malédiction je crois. Ah non, il faut que t'aies la pipe, ouais. Avec la pipe je crois que ça t'enlève plus. Est-ce qu'il a vraiment besoin de rentrer lui? Enfin, d'aller faire un tour là-bas. T'enlèves ton malus d'intelligence. Ça, comme je te dis, ça évitera toujours qu'on te mette un autre malus. Ah baston, ouais. Ah non, tu seras tout seul. Oh, on peut pas se battre. Oh, vas-y, bats-toi tout seul. Égoïste. Égoïste. Bon, oh, bah c'est parti pour cramer une petite panax. Ah, le triple empoisonnement, quoi. Le empoisonnement niveau 3. La gelée rouge. Oh, c'est raté. C'est quoi? Panax. Notre panax. Ah non, mais c'est bon hein. Yes. Et là peut-être essayer de le réinitialiser. Pareil en garantie, voilà. Parce que si tu peux le faire sauter la prochaine attaque. Ouais, il est interrompu. Voilà, tu peux le taper. Ok, et donc là faut assurer avec des stats toutes pétées. Alors tapez. Sérieux. Alors, le triple empoisonnement, clairement, plaisir, hein. C'est un peu de l'abus. Tu vas aller pouvoir te les faire soigner ça. Oui. Alors attends, il y a des quêtes? Non, il y a pas de quêtes. Service! Le guérisseur! Putain, faut que je fasse guérisseur, bénédiction, auberge. Oh la vache.
c'est assez violent. Je vous ramasse, hein. En avant Guingamp. Ben on va remonter par là. On a une grotte marine à faire. Oh, il y en a pas qu'une, hein, je pense. Hein. Ah, il y a un phare aussi qui va nous permettre de révéler de la zone, c'est bon ça. Bah, c'est dans la grotte. Oh, carrément. Entrez avec le crew. Eh mais l'autre fléau là, il sent tellement bien. Maintenant tu vois ce moment là, c'est du son monde. Non, on l'a jamais embêté le gars, il est tranquille. On est jamais allé. T'as failli faire une connerie mec. Maître voleur là, t'as failli mourir. Oh, ouais, carrément. Alors, toi déjà. Chute. 33. Je vais pas assez pour le cul. Je fais pas assez de dégâts, putain. Et heureusement vous en faites assez. On a tellement trouvé des bonbons qui donnent des dégâts magiques, bordel de merde. Baïonnette, baïonnette, baïonnette frère. Voilà, la baïonnette c'est ça qu'on veut. Non bah... Ça fait tellement mal en fait la baïonnette. Ça fait autant de dégâts qu'un perso niveau 1. Full stuff. Imagine. Moi je vous soigne. Moi je vous protège. Est-ce que le guerrier va faire le bon choix? Provoque-le, provoque-le. Embrouille-le, je te dis. J'ai pas de provocation. T'as pas de provocation avec ton bouclier? Oh putain, il est pas drôle, mais t'as aucun humour. Hein. Mais j'ai pas de provocation. Je te disais, mais je m'en fous, fallait faire autre chose, fallait le réinitialiser, tu vois, mais. Hein. Fallait faire un truc nul comme ça, il se faisait finir à la baïonnette. Non. iPad. Je vais prendre ça. Oui. T'as quoi toi? Bah tu as gardé une panaque je pense. Oui. D'ailleurs j'en ai plein, je vais peut-être t'en enfiler quelques-unes. Là, j'en ai 5. J'en ai 4. Voilà. Oh la vache quoi, le triple empoisonnement. Ah c'est... Ça douille un peu hein. Tes stats elles, elles sont bien claquées, hein. Tu fais ouh ma stat principale 95 parce que c'est 80, ça fait mal. Mais j'ai mal. Allez, fais de l'XP. Allez, 32 XP, voilà, là, t'as gagné un niveau. Voilà, ça aurait été Samael, je t'aurais pas dit tout ça. T'aurais perdu un niveau. Et ouais mec. Que ta visée soit juste. Samael, que voient tes yeux d'elfe? Oh non, 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 je suis dans l'enceinte, monde de con! Enlève-moi cette corde autour du cou! Pas sûr que tu mettes beaucoup de dégâts. En vrai? Et au moins il a le choc électrique. Voilà. C'est surtout ça. Il peut pas faire de perfect, donc il peut pas vous me dire. Ouais, t'aurais pu tuer le démoniste, hein. Puisque non, l'autre pas pouvait pas. Oui, mais l'autre pouvait pas faire de dégâts critiques. Avec le choc électrique. Alors que lui là, boum, 18 dans la gueule. Ouais, j'ai perdu 18 points de vie, tu me dois 18 PV là. Tu payes comment? Ombragibus. Ah, je suis pas immunisé à la foudre. Donc, bon, si tu veux. Mais lui il est immunisé. Là, il a gagné un dégât, d'accord. Oui, quand tu passes au niveau, tu gagnes toujours un dégât. C'est récupéré. Envoie. Je gère les items. C'est pour claquer des crochets n'importe comment. Je gère les items. Ça sera pas ce crochet, hein. Jamais. Ça du crochet, jamais il passera. Si
le prochain Heroica où vous le perdez, je dirais c'est parce que t'as claqué un crochet. Splendide. Le petit 2. Qui La madame. Ouais, on va taper dans la vieille, hein. Mamie génial. Bah, on va l'achever, hein. C'est la vieille, elle s'est tellement jamais lavée que les odeurs, les fumerolles jaunes et vertes sont devenues violacées, elles sont devenues chaotiques, tu vois. Je me dis mal absolu tellement avec du cul. Le chaos est né de l'idée que t'as jamais lavé. Ça va être complètement extraordinaire. Pourquoi il danse la polka sur le coup ? C'est stylé. Oh, la Morningstar. Morgenstern. Yes. Le cul sec. Élémentaire. Le coffre. Et au passage, quand tu l'avais ce truc-là, on n'a jamais eu de d'encouragement. Hein. Ah, jamais. 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 Ah, le ventre de la benne, c'est parti. Oui. Très important, le donjon le plus important. C'est peut-être lui qui veut le poisson. Le cadavre ou le magie lutin. Magie lutin. Magie lutin. Regarde, je l'ai rangé dans un coin. Et bien rangé. Non, il s'est pris plus qu'un, il s'est pris 4 à du coup. Très drôle ça comme concept. Je le tue. À la baïonnette. Non, pas ce dégât. Ah putain, dommage. Ouais. Non. Tu vas voler. Ouais. Mais ça fait plaisir. Hey, ça régale. Il a perdu 9 PV pour ça, mais ça valait le coup. Putain, encore celui-là. Le jour où le moine enlèvera son casque, la première chose qu'il fera, c'est raser les cheveux qui ont poussé en dessous. Voir, ils ont peut-être commencé à pousser à travers, dans les jointures et tout. Bah, je peux en OS1 des deux, l'autre je peux lui faire que des gros dégâts. La goule elle est chiante, elle fait mal. Et en plus tu lui fais pas dans le mode dégâts. La plus goule. Trop d'armure. Juste trop d'armure, ouais. Le jeudi. Il a que 33 hein, en vrai. Il commence à faire beaucoup. Bah, t'as plus que moi de résistance magique en fait. Une attaque en main. C'est ça. Oh, en plus tu viens me taper moi, vas-y hein, mec. Ah oui. Sur un ogre. Ah oui, quand tu ne prends que 2 sangs d'un ogre et que tu le renvoies dans la déjà, ce qu'il peut pas te faire parfait, c'est sur les parfaits qu'il faut énormément de dégâts. Ah oui. Ouais, ça, tu vois, ça fait plaisir. Hein. Carrément. Ça change la vie. Ah oui.
Racine dorée, qui c'est qui en a le quart de là. C'est moi. Qu'est-ce que autant de monstres foutent dans le ventre d'une baleine? Explique-toi! Bah c'est normal, il y a des bateaux dedans. T'as eu tous les bateaux aux squelettes chaotiques qui naviguent. La cible, elle est déjà... Voilà. Enfoiré de merde. Ah oui, il est immunisé ce con, je suis un abruti. J'aurais dû envoyer ça sur la boule. Il est mort quand même. Toi, c'est pas grave, tu recharges. Tout va bien. Touk touk. Là, il s'est bouffé ton bouclier. Petit choc électrique sur la face. Tu sais, j'ai une attaque qui est à 100% de réussite. C'est l'attaque sans percer. Le Panax, qui c'est qui en a 24? Bah, moi. Ouais, mais total sec, c'est pas très utile. Ouais, bon, c'est pas grave, je la passerai plus tard. Oui. Au cas où tu retomberais sur un blob rouge. N'en parlons pas! On en reparlera pendant longtemps, c'est comme l'histoire du crochet. Ouais. L'aventurier est mort. Et on gagne de l'XP à piller un cadavre! Il y en a qui a passé un niveau pour ça. Et c'est récupéré, this is in the pocket. Attends. Bah, elle est moins bien, non? Oui, elle est moins bien, elle est moins bien. C'est le casque qu'il faut que je prenne. Je crois, hein. Attends, je vais te dire ça. Hein. 5 de force, 13 d'armure, 3 de résistance. 16, 4, 5. Ouais, c'est ça. C'est le casque qu'il faut qu'on t'achète. Et moi, les bottes du mage. Ah, bah, tiens. Encore. Quantité de mecs crevés. C'est incroyable, hein. Normalement, on a un banjo. Normalement. Ah. On a une flûte, c'est chiant. Ça énerve les ennemis. C'est un kazoo. C'est le kazoo. Et un anus. Wow. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Peut-être moi, plutôt, non? Vas-y. Ouais. C'est les talents. Donc, ah, du coup, j'ai débloqué le... Exactement. Tu viens de débloquer l'aventurière. Félicitations. La chasseuse au trésor. Ouais. C'est pour ça que c'était le donjon le plus important de la carte. Ok. C'est toujours moi. Ouais, et t'as récupéré ton mouvement. C'est encore mieux, ça. Activer le phare. Oh, le quai du diable. Oh, il y a... Oh, il se passe des choses en haut, là. En haut ? Ouais. Ah ! Et le coffre du vénard, aussi. Oh, à gauche. À gauche ? À gauche, ouais. Regarde. Merde, comment on fait pour ping, déjà ? Ouais, je lui ! On va faire le fumier. Donne-moi ton pognon, Jack ! Ça va pas pouvoir se passer comme ça ! Raté, Jack. Va vite, ce con. Ouais. Ah, ça joue, putain. Je pense que je l'ai bien entamé. Je peux plus rien faire. Il est mort. Il n'avait que 324 pièces d'or. Pas récupéré. Voilà. Bon, c'est tout pour moi, je vais vous laisser me TP, hein. Je pense que j'ai fait un bon tour. Ah, voilà, il y a un coffre. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Vous avez même mis à côté de ce coffre, hein. Bah avant, je vais hacker du diable. Il y a deux personnes. Je suis équipé du chapeau du vénard là. Ouais, je suis équipé, hein. Je suis magnifique. J'ai peut-être alors, du pognon. 480. Je regarde déjà les. Oh!
L'XP de groupe, 278 d'XP de groupe. De quoi tu parles? Bah, une quête. Ah oui. Il y a une quête, c'est 270. Quoique c'est risible en fait, 270. Ouais, c'est toujours rien. Bien, hein. Bah, après, il y a une quête avec 480 d'or. C'est mieux, hein. Ouais, tuer le momie par contre, les gars. Ouais. Attends, je t'envoie quand même là-dessus pour que t'achètes la barbe de Deus. Ouais. J'ai regardé, il y avait rien d'intéressant. Il y a la barbe de Deus. Marché, barbe de dieu, 1, 2. Ah, elle est moins chère ici. Le chapeau des capitaines. Ouais, il y a vraiment rien. Il y a un marché nocturne qu'on va rater. Bon, on aura peut-être au retour. Et puis, bah, je vais dormir sur place. Voilà. Ramasser le pot. Pas hésiter à refourguer le pognon et 3 barbes de dieu à esquive tétonneux. Ouais. Qui passe à 22. Commence à être confort en vie, ça fait plaisir. Et je vais aller jusqu'ici, je pense. Tu peux même mettre le pied sur le continent pour observer, hein, les caisses du fond. Ouais. Ah voilà. Ouais. Eh ouais, on loupe le marché nocturne. Ouais. C'est très beau. Oh, joli. Ouais, j'ai le chapeau qui donne de la chance, hein. Ouais. Et des thunes. Et des grosses lances. Et des gros bâtons. Ouais, j'ai changé de bâton un peu pour changer un peu. Changer pour rester jeune, c'est important. Je vais juste changer quand même de chapal. Quelle heure il est? Ok, il est 3h. Moins 6. On entre avec le crew. Allons taper des mobs nuls. Allons taper des mobs. Ah, c'est vrai que j'aurais dû laisser quelqu'un d'autre le faire pour récupérer des points de vie, blablabla. Désactiver bien sûr, 39%, 100%. Ouais, j'assure quand même en vrai. Parce que 15 de dégâts pour le groupe, c'est assez. Il y en a, ça les gênerait pas trop. Il y en a, ça les gêne plus. Littéralement, à ta droite, on n'est pas trop dérangé. À ta gauche, au secours. Yes. Au secours. 15 dégâts sur 132 points de vie. Ouais. Sur 78. Mauvaise journée. Comment t'as. Comment ça? Oh putain, il y a un Torv Esprit, un Bernard. Un crabe... Ah, c'est un crabe mortel, c'est pas un Bernard. Pète-le quand même! Ok. Très bon choix. Moins bon choix. Ça fait mal. Alors, moi j'ai quoi? Avec ça. 62 dégâts. Vas-y. Ouais, mais ça, jamais ça passe. Mais en vrai, c'est rigolo de l'essayer. Vas-y. C'était rigolo. Oh. 100%, c'est 100%. Il y avait écrit. Billy, la prochaine, elle est pour ta gueule. Il a réussi à m'enflammer. La résistance oui, magique, il a réussi à m'enflammer. Oui, c'est vraiment ce qui vient de se passer là. Ouais. Oui, ça c'est des dégâts de zone. Ok. On va essayer un Damien. Ouais, du coup il est complètement raté. Je te l'avais promis. Chose promis, chose due. Ça ne vole pas un squelette. Dommage. Les parties se détachent les unes des autres, c'est pas cool. Oh,
Tort d'esprit. Tort d'esprit. Ah, il a plutôt bien volé le Cthulhu. Mais le pauvre capitaine, quoi, il a jamais touché personne, quoi. J'ai presque pitié pour lui, le mec a jamais rien touché de sa vie. Et avec le choc électrique, il touchera plus jamais rien. Tuer l'enchanteur. Tuer l'enchanteur, hein. Il a pas d'armure. Ah oui, toi, c'est vrai que tu transperces, tu t'en pètes. Ouais. Bon, un petit coup de baïonnette. Oui. Voilà, regarde-moi ça. Troisième corde. J'ai vu, hein. Cinquième corde. Il est sorti du décor, le mec. Il a traversé la roche, c'était magnifique. Ouh, il l'a tapé. Et il a pas fait de crit, hein. Et il a pas fait du bien, le bâtard, là. T'as dit que le capitaine, il faisait très mal, hein. C'était pas une blague, hein. Capitaine. Le petit rire discret. On se fout de la gueule. Ah! Bouclier gouvernail. Compétence trouve trésor. C'est rigolo. Ah, par contre, 2 de résistance au crew, pas mal, hein. Ouais, bah nos stats, c'est plus rien, quoi. Enfin, surtout à côté du bouclier hectare, en fait. Ouais. Mon bouclier, en vrai, En vrai, le bouclier, c'est quoi déjà? Le petit silence, c'est 5 d'armure de groupe, 5 de force. Et ouais. Et ouais. Ton bouclier, si bien. Si tu m'enlèves 4 de vitesse, j'en ai quand même un de plus avec le stuff que j'ai fait. Et le petit macaque, il a été... Non, t'es pas assez grosse pour me faire peur, apparemment. Ah, du non, coup, dans la dépouille. Dans la dépouille. Ok. Malédiction, tout ça. La dépouille. Oui. En plus, tu peux le one-shot à la baïonnette. Il peut vous maudire, hein, le truc, hein, l'oubliez pas. Elle, regarde, elle peut plus faire de parfait, donc de toute façon, elle peut plus empoisonner, elle peut plus emmêler, elle peut plus rien faire. C'est vrai que du coup, c'est du génie. Imagine ce système de choses sur Hero Chaos. Par exemple, tu veux faire une action pour désarmer, t'es obligé de faire une réussite parfaite. Sur ta stat. Ouais. Ce serait trop compliqué. Trop dur. Bah toi, t'en as pas besoin, je vais la mettre à... Ah, si, il en a pas aussi. Pourquoi il en a pas besoin? Non, mais. Parce que j'ai. Ok, d'accord. Bref. Bien, moi, oui. L'armure de fourrure. Ouais. Oui, encore, toujours la même. Elle est bien. Hop. Éclat de soleil en bouteille. Et si on allait au nord, tabasser le mec qui a cru que ce monde c'était à lui. Ouais, après il a peut-être raison, hein. Je sais pas. Hein. Ouais, peut-être que lui était là avant les humains. Qui sommes-nous pour juger? C'est quoi ce bateau? C'est un pêcheur sympathique. Je sens que tu vas y aller avec le bateau. Autant que d'abord j'enfile le bon chapeau pour aller voir les bonnes personnes. Bonjour, pêcheur sympathique. Yeah. Merci d'avoir réparé notre bateau tout neuf. Gratos. Ouais, surtout qu'il nous a rajouté 3 de santé. Bon, grand vieux. C'est grâce à la chance, je reconnais. Voilà. La sacro-sainte chance. Enfiler mon chapeau de sorcier. Arcane que je ne connais pas. On devrait peut-être pas bouger avec sa main en fait. Hein. Oh, il y a un truc de mage. J'en connais un. Ouais, 5 d'intel, ça me permettrait de changer une pièce de stuff par autre chose. Ouais. Pas inintéressant. Je t'emmène là-bas. Non, pour l'instant, faisons des trucs.
D'accord. Genre taper le camp, les méchants, tout ça. Contre du pari. C'est pour après. Allez, 11%, c'est 100%. Toi qui vois, tu peux essayer. Hein. Ah. Ceci est embêtant. Plutôt. Ça va en fait. Voilà, Dylan. J'avais pile les bons dégâts pour buter ce bâtard. Bah tu sais, je vais taper la même cible que toi. Hein. Ouais. Ah. Évidemment. Alors c'est des dégâts physiques, j'ai quand même pris 20. Ah, ok. Un petit tour à l'auberge, ça ferait pas de mal, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais d'abord, allons jouer un peu de pognon. Oublie pas de mettre le beau chapeau. Oh, c'est dommage, j'ai raté. Je vais très probablement me faire tuer. Comme c'est dommage. Ah, je ne suis pas mort. C'est bien dommage. Claque pas tes points dessus. Hein. C'est pas chier. Ouais, t'as fait de la merde. Non! Mais putain, non! J'ai besoin de crever! Ah, pour putain, me débarrasser de mon sanctuaire, débilus! J'avais tapé. Que de la merde! My bad, désolé. Vas-y, wesh, à cause de toi, je suis pas mort. Oh mon dieu, j'ai raté mon embuscade. C'est bien dommage. Quoi cette merde, c'est notre la gueule. Ah, il y a un peu plus de muscles que les mecs, ça serait bien. Hein. Ouais. 104, ça va toi? Ça va, et toi? Pas trop dur la vie? Ça va, il m'a tête à peu. Tu coupes baïonnette? C'est exactement ce que j'allais faire. Vraiment, je suis désolé, hein. S'ils veulent pas te laisser tout crever. Pour empêcher de crever. Hein. Par contre, le 270, j'avais jamais vu celui-là. T'es rigolo. 20, attends, 10% de critique et 20% de chance de
Bon bah je mourrai pas décidément, hein. Super. Hein. Aidez-moi à mourir, trouver des méchants. Ouais, des méchants. C'est une grotte sombre, c'est le Darkest Dungeon. Wouah, c'est quoi ce truc? Alors c'est horrible. Tu sais ce que fait la Vierge? Ouais. Il va falloir tuer le feu follet en priorité. On en est là. Ok, bon bah ça c'est pas trop compliqué encore. Félicitations, tu vivras le vieux. Bah ça c'est raté, c'est bien dommage. Si tu me soignes. J'adore l'esquive qui est tapé à 2 PV. Pardon, c'est nerveux. Personne n'est très coopératif, hein. Ah, c'est lui. Merci. Oh, le triple empoisonnement, mais va te faire mettre. Ok. On est pas mal du tout. Ah, il est immunisé. Ah oui, putain, merde. Il est immunisé, ce con. J'allais faire je sais pas parce que t'étais sur le lutin de base. Donc, ah doute. Non, parce que je cherchais ma Panax. Armure améliorée. Tu sens le groupe ? Si je le bute, je peux le faire après ? Ouais, tout à fait. Je veux bien, par ici. Par ici, la bonne sous-soupe. On a vraiment jamais de truc de dégâts, dégâts magiques. Magiques. Jamais, hein. Par contre, il me semble que j'ai chopé une arme. Ah oui, je t'ai pardonné celle-là. C'est un cadeau. Ah, le couteau qui fait du feu. Ouais. Deux. Au calme. C'est petit, hein. C'est petit, ouais. Ah, le temps d'esprit, hein. C'est un fondeur de l'esprit. Oui, enfin, je veux dire, c'est un coup. C'est la version d'accord. Dans tous les cas, il peut vous faire lancer un sort qui vous fait faire n'importe quoi, et crois-moi bien que t'as pas envie de faire n'importe quoi. D'accord, c'est vraiment la version améliorée, d'accord. Non, dommage, je ne pourrais pas le buter avec. Bon, allez. Oh, deux dégâts! Deux peines! Deux PV! Oh, je suis dead! Ah putain, par contre, le moins 33 est vite! Et le moins 27 aussi. Ah, ces bâtards, ils répartissent bien les dégâts! Ah! Ouais, c'est des dégâts magiques. Le cadavre! Le cadavre! Ouais, quoique. Parce qu'en fait, l'autre peut lui mettre un coup de baïonnette pour le tuer, donc ouais. Mettez gros dégâts dans le temps resté. Dans le cadavre à se fait. Yes. Moi, il faudrait que je fasse un truc pour le. Ça n'arrivera pas. Il vole loin avec. Il lance dans cette baïonnette, quoi. Il vient d'enchaîner. Attends, je viens d'enchaîner deux coups. Attends, j'ai 27% de chance de coup critique. Ah oui. Ça, c'est bon quand même, hein. Ça, hein, t'es déjà plus ou moins sur un but critique, hein. Ouais. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit soin de groupe pour mettre tout le monde Déjà en voie là-dessus. Ouais. Et après, s'il y a que moi d'amoché, je peux utiliser. Oh. Tiens. C'est que par je commence à être tank. Je commence à être tank, ça fait plaisir. Tu commences à
Tanky. Ouais, moi je peux cramer solo cul hein, plutôt que de cramer pour le groupe entier. Est-ce que moi je me remets 60 PV et toi tu remets combien? Je mets à peu près 50 et quelques. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais même utiliser hop là. Une soie de feu, voilà, je suis full vie. Problème. No problemo. Full vie et full concentration. Et bah, je vais passer ça à... Parce qu'attention en bois, restauration totale. Bah, idéalement, voilà, c'est toi qui devrais le faire parce que c'est toi qui as le plus d'endu. Non, excuse-moi, c'est Samel qui a le plus d'endu. Oui. Samel qui doit le faire. Bon, voilà. De toute façon, ton tank il en a rien à foutre, il récupère des PV tout le temps. Oui, c'est vrai. Et il n'a pas besoin de points de concentration parce que toutes ses actions sont trop faciles à faire. Avec une main dans le dos. Et sur le genre. Et en plus, le talent qu'il a, c'est qu'il en donne. Les potes royales. Oh, ça va être sympa par contre pour toi. Si jamais tu veux le mettre. Alors en théorie, il faudrait que je l'équipe parce qu'il est plus fort. Et c'est lui, je crois, qui fait du dégât de zone, c'est ça? Ouais, 8 fait, zones en dégâts. Oh putain, il fait que du zone en dégâts. Que du zone? Ah oui? Toutes ses attaques sont du zone? Attends, je peux regarder. Cible le groupe. Par contre, c'est du 16, 13 ah ouais. Et 16. Ah ouais, c'est simple quand même un peu. Vas-y, je vais équiper. On va changer un peu. On va passer sur un bouquin. Même si je te cache pas que le bâton qui fait des chocs électriques sur le coude. Hein, ah ouais. C'est quand même le classico. Hein. Bah celui-là, il fait des chocs électriques sur. Non, il fait pas de choc électrique. Si, il fait choc. Oui, mais pas choc électrique. Si, attends. Il est où mon bâton d'éclair? Ah si, il fait choc. Et donc le bouquin fait choc de base? Ouais. Non, il fait pas choc de base. Il faut, ouais, non, il faut faire le truc à moins 10%, ouais, pour mettre des caisses, hein, quand même. Ouais. Ah! Elle fait quoi, elle? En mer, les joueurs peuvent perdre le contrôle de leur bateau en début de leur tour. Ah, ça va être chiant, ça. ça va être chiant. Ouais, il va falloir aller la déglinguer. Ah! On a un petit problème de points là. T'as combien de points de concentration, bordel? Un petit peu trop. Alors attendez, je vais prendre ça. Je vais aller visiter ça. Oh, c'est joli ici, hein. Vous avez vu ici aussi comment c'est? Non, parce qu'on en parle pas assez souvent de la côte. Mais la côte, c'est sympa. Il y a un vent violent juste derrière. Voilà. Ah, Bretagne, ça vous gagne, hein. 25% de multiplicateur d'XP. Oh ya ya. C'est bon ça. Hein. Ça va meuler. Hein. Ça, tu vas bon, on va se diriger vers une statue de héros, je pense. Hein. Dans la droite. D'ailleurs, j'ai pas vu où est-ce qu'était cette sirène. Tout en bas de la map. Mais non, c'est une blague. En plus, faut qu'on aille la Fumax pour toi. Hein, parce que du coup, tu l'as jamais Fumax avec personne. Ouais. Je la vois même pas. Elle est tout en bas, à côté du. Ah oui, oh, putain, oui, elle est vraiment tout en bas. Ah ouais, oh, elle est là où on a tué le campement de bandits et tout. Vraiment plein sud, mais sud, hein. Genre dernière case du bout du monde, hein. Elle est là. Le truc jamais, tu vas voir, quoi. Ouais. Oh là là. La seule case que t'es pas allé voir, et bah elle est là-dessus. Non, mais c'est exactement ça. Ah bah voilà, j'ai perdu. T'as perdu le contrôle d'une case. Allez, go à droite. À droite, toute. À droite. Michel. Ouais, je veux ce sanctuaire qui donne de l'XP là. C'est pour moi ça. Dans une case, Jack. Oh, il y a la crique des pirates. Cool. Voilà. Toi, ton gros, en vrai, il peut régénérer du PV s'il veut. Parce que moi, je crois que ça va me refiler de la concentre. Hein. Ouais, ouais. Concentration pleine. Hein. Donc, tu peux squatter sur place. Vas-y, régène des PV. Les villes ont été réinitialisées. De nouvelles quêtes. Ah. Voir les marchandises. Non, pas de nouvelles quêtes, monsieur. Ah, les villes ont été réinitialisées, c'est quoi là? C'est le stuff. Oh. Arc embrasé. 19 de dégâts. J'ai quoi le...
Il met combien de dégâts le tremblant? 40, que j'ai rien dit. D'accord. Alors je vends tout sauf le chapeau du Vénard, parce que je me dis, bon, à l'occasion on peut l'équiper quand il y a un petit trésor qui pop sur la map. Ouais. En vrai, on avait plus de thunes, mais là ça, ça va mieux, hein, maintenant qu'on a acheté à peu près le stuff final. Je cache pas que ça va un peu mieux. Je vais même garder un parchemin de téléport au cas où. Je vais même garder les orbes et les perles précieuses, tellement ça sert à rien. Je vais en vendre une quand même, perle, parce que bon, ça normalement on en trouve pas trop, on en trouve pas mal. Ah, qu'est-ce qu'ils vont, fusil doré, machin, l'arc royal qui est très cool, justement, si jamais tu veux changer d'arme, c'est un peu ce genre d'arme qui est un peu final aussi dans son style. C'est bah, celle qui donne plus de dégâts que ton arme, je crois, c'est ça. Ton arme fait combien, 40 ou 50 de 40. 40, donc tu vois, lui, t'es à 26, mais tous les tours. Donc t'es à 56, t'es à 56. T'es à... Oui, 52, excuse-moi, tous les deux tours. Pour le, ouais. Même, pour le même temps, tu fais plus de dégâts. Voilà. Il a que 3 succès, c'est facile à faire. Tu peux te faire une esquive améliorée sur toi-même. Alors, l'arc doré... Ah, tu l'arc peux diminuer royal. Toute la vitesse du groupe d'en face. Ouais. Et tu peux réinitialiser une cible en face aussi. Très ouais. Bon arc de contrôle sur l'arc royal. L'arc doré qui est... L'arc doré qui balance des coups critiques. Quand on parlait de stuff coups critiques, voilà. On est et aussi sur quelque chose. Qui ignore l'armure. Et qui ignore l'armure. Donc il y en a un qui est plus contrôle que l'autre. Puis bon, il y en a un qui fait 5 dégâts de plus que l'autre aussi. Mais voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, bon arc. Hein. Dans les deux cas, les deux arcs sont bien. Hein. Ouais, je vois ça. Putain. Merde. Grimoire de fer. 6 d'armure. J'ai presque envie de l'acheter. Bah, en vrai. Quand un mob a de l'armure, parce que toi tu focus en priorité, tu fais 25% de dégâts supplémentaires pour tes armures. Tu peux nous mettre un bouclier physique. Et un bouclier magique. Ouais, et... ouais, il est rigolo. Je l'avais jamais vu. Et réfléchir qui te permet de jouer plus vite, je crois. Je sais pas ça. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, ça permet à un ami de jouer en urgence. Ouais. Tu peux avoir donc, armure ouais, très bon grimoire de soutien aussi. Hein, ouais. Ouais. Jamais joué, j'avoue, je joue. Là déjà, je joue un grimoire auquel je n'ai jamais joué avec. Ouais. Même si je connais plus les sorts. Prends-le pour tester hein, si tu veux. Hein. Grimoire de fer, t'as quand même lancé qui fait des dégâts, c'est ça? Ouais. Ouais, mais je vais prendre un truc qui fait quand même du dégât. Pour l'instant, je vais tester celui-là, ce qui fait quand même 6 dégâts de plus, de base. Ouais. Et donc... puis il fait de la zone. Ouais. Tu veux l'arc doré? Ouais, vas-y, je prends. Parce que le principe de taper fort, c'est rigolo. Hein. Tu restes tout le temps une cible, mais. Bah, c'est pas que rigolo, c'est très fort, très efficace. Ouais. Bon, voilà. Donc. C'est fait, c'est acheté, monsieur. Merci. Après, allez, je vais pas l'équiper maintenant. Je vais pas l'équiper maintenant. Oh, même c'est dommage, aller... j'ai plus de mouvement. T'aurais même eu de quoi aller à Creek des Pirates et revenir. Oh, peut-être pas. Bah là, à peu près. Hein. Là, tu utilises ton point. Donc, tu peux aller jusqu'à Creek des Pirates. 240. Oh la vache. Combien, madame? Et là, tu vas à Creek des Pirates ou au temple de l'eau. Baston ou... Baston, évidemment. On va faire de l'argent avant. Du genre. Baston là. Combattre. Moi j'avais beaucoup de mouvement, j'ai profité. Quoi? Je suis enflammé. Restez branché. Je ne peux pas buter le blob d'acide. Donc, du moins l'OS. Pardon? Ouais. Tu peux pas faire 86 dégâts? Non, j'en fais 83. Avec la grosse attaque? Ouais. C'est un mensonge. Pas de... Je suis sûr que tu fais plus. Je suis sûr que tu tires dessus, tu fais plus. Je suis sûr que tu mens. 104. Mais putain, je fais un critique! C'est normal! J'ai fait un critique! Ah oui! T'avais raison, c'est dégâts. C'est plus! Oh là là. Alors, tu nous arraches la chauve-souris?
je souris, j'aurais pu. Ouais, si tu veux. Comme ça, il y en a un qui peut le finir avec juste un coup de baïonnette. J'ai dit ou pas? J'ai dit. Et tu tapes en zone, donc tu vas forcément la finir. Non, bah non, parce que pour qu'il soit touché, faudrait que je tire sur le mec du milieu. Non, vas-y, essaye, tu vas voir. Bah là, quand je fais mon truc de base, c'est 19 dégâts zone, ça le touche pas. Ah, il faut que oui. Ce soit forcément une des trois autres pluies élémentaires. Ah, mais mon d'accord. Truc de base qui fait 38 et qui est facile à sortir, on va dire. Après, je peux faire allumage et incendier tous les mobs, mais il y en a, la chauve-souris est immunisée quand même. Donc, ouais. Juste, je suis lancé mon attaque magique avec, hein, pour 38 dans la gueule. Bon, il se fout de sa gueule. Oh, j'aimerais pas. Le canon était plus gros que la chauve-souris. Oui. Oh, esquiver alors qu'on a rien à foutre, t'es immunisé. Je suis immunisé à ces dégâts. Ah, il est tombé loin lui. Il a encore les yeux rouges qui brillent dans son casque, alors qu'il a pas de casque. C'est peut-être sa tête. Ah, c'est peut-être sa tête qui est encore dans le casque. Non, ils sont sérieux de nous sortir du stuff comme ça. Bah, quoique, c'est une armure en peau de dragon. Mais... Bah, c'est la meilleure armure de garde standard que tu puisses avoir. Dans le lot qui donne pas des spécialisations ni rien, c'est la meilleure armure du style. Hein. Là, ah, on est que deux à pouvoir y aller. Ouais. Oh là là, qui fait chier là dans le groupe, hein, comme d'hab. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, toujours. Bon, bah, super. Ah, mais ça régène un peu, hein. T'as beaucoup de pédé. Trouver un trésor. Un trésor, hein. J'arrive tout de suite. J'ai assez de points de mouvement pour me déplacer. Ah bah c'est gentil ça. Pourquoi tu me déplaces? Tu vas où? Mais j'ai perdu le contrôle. Ah oui, c'est le bateau qui se déplace tout seul. Ah bah oui, t'as plus qu'à déclencher le gauche. Bah yes. En embuscade. Embuscade. La bonne. Bah pan, y'a plus. Ouais, c'est ça à peu près. Pourquoi je fais tout le temps des critiques? C'est un truc de fou. Un stop critique. Eh, je ne suis qu'à 27%, j'ai baissé mes stats. Mais 27% c'est 100% dans le jeu, alors que 83% c'est 0%. Oui. Bon. Voilà, faut comprendre les systèmes de statistiques inversés. Oui, d'accord. Et lui, t'as un gros méchant pas beau. Ouais. Oh, je me suis assuré. Bah ouais. C'est juste un boss, hein. C'est juste un des boss du jeu. T'as bien fait de pas assurer. Tu peux pas réinitialiser aussi avec ton couteau et l'empêcher de jouer? Oh, c'est pas moi qui prends les coups. J'ai pris 17! Ouais, c'est ton problème. Je suis sûr, toi, qu'il voit, hein. Je suis sûr, il t'a plus fort que ça. Ah, par contre, le grand prendre dans le critique, il était joli. Ouais. En sachant qu'il a 16 de résistance magique. Par contre, pour un boss, hein, 48 PO, c'est risible. Ouais, prends-le, hein. M'intéresse pas. En vrai, c'est rigolo, j'aurais presque pu le mettre. Ah, je peux le mettre! Ce que je suis en train de me dire, j'aurais presque pu le mettre. Je peux le mettre. Crâne de Deimos. Je peux le mettre. Et j'ai toujours la même valeur. Mais t'as perdu des points de concentration. Confusion. Ah ouais? Ouais. Ah oui, j'ai perdu un de concentration max, en effet. Mais bon, trop tard, il est perdu. Je vais garder ce casque là. Ça y est, j'ai autant d'armure que Samael. Ça y est, yeah. Moi aussi, je peux encaisser des dégâts. C'est pas pour autant que je vais essayer. En vrai, j'hésite. La max. Je mets la max. Max. Okay. En gros, sur la max, tu fais du dégât doublé. Non, pas vrai. Ouais, quand tu fais du crit. Fais du crit pour être précis. Bon. Et là, pour jouer aussi avec ton critique. Un perroquet. Poli.
Oli le perruquet. Qu'est-ce prêt. Ça a l'air d'être un coffre. J'avais dit que c'était un coffre. Du merdier. La sorcière hein. Ou le sorcier d'os. Je suis pas très sorcier d'os moi, parce que moi le mec qui peut foutre le feu à toute l'équipe, alors je sais qu'il y a que moi qui suis pas immunisé mais... Non, ah non, c'est moi je suis immunisé. Non, tu peux éclater la sorcière noire. On est tous immunisés au feu. Oh putain. De la merde. De la merde. Il s'emmerde même pas à y éviter les gens. Bah écoute, toi tu payes hein. Je veux plus te voir. Elle a volé, elle. Je pense qu'elle a des pop. Elle a volé autant qu'un merlingue. Un merlingue. Au moins. Je fais du 23, mais je fous du gel sur tout le monde. 80% de chance de réussite. Je suis en plus 25% de dégâts. Ah non, j'ai plus d'armure. Ah non, mais j'aime pas ça. Attends, ouais. Ça veut dire que je mets 15 dégâts avec le... Ouais mais oh. Non mais tape le mec qui a pas d'armure physique s'il te plaît. 17. Ah oui mais je crois que t'ignores ouais, ça t'ignore pas. Ah oh, j'ignore pas. Ouais, le sorcier d'os a jamais été aussi nul de sa vie. Le pauvre. Non le mec qui a de la... Casse les couilles hein. Quoi c'est... Moi l'autre je lui fais pas de dégâts là en fait. Wow. Par contre, son chapeau. C'est le premier chapeau de nécromancien qui est arrivé sur Mars en fait. T'es pas au courant. Ah, c'est sur Arc-Balk. Capuchon d'assassin, on s'en fout, poubelle. Bah ouais, en vrai, j'en ai pas besoin. Yes. À moins que tu veuilles. Après, tout le stuff assassin, ce qui est intéressant, c'est aussi de full maxer l'esquive. Bah en fait, j'ai 10% de chance de coup critique sur mon capuchon du bourreau et 25% de dégâts contre les morts vivants. Plus 10 de vitalité et d'immunité à la marque. Ouais, je suis d'accord, mais voilà, si jamais tu voulais full stuff assassin aussi pour maxer l'esquive, c'est quand même pas mal. Ah, ça c'est bien. Pour Samael. Prêtouille. Je crois que c'est du talent là. C'est toujours toi qui en a le plus. Ouais. Ouais. Tu vois là on aurait pu utiliser un délice du voleur. Mais j'aurais perdu 50 XP. J'aurais été dégoûté. Alors c'est vrai que j'ai très peu de points de concentration. C'est un peu stressant. Oh, je l'avais jamais vu ce gros squelette. Ah d'accord, c'est un boomer. Ce qui va améliorer. Ah. Faut quand même coller la max dans le robot d'Amandos. Bah, si je suis un critique... Bah, d'accord. Ouais. Dommage. Armure affaiblie. Oh non, j'en ai moins que vous deux. J'ai moins d'armure que vous deux. Mon dieu. J'ai raté.
en a un qui fait des tours, des pirouettes depuis tout à l'heure. Commence à se faire quand même pas mal de thunes, hein. Ça va. Ah, ça c'est pour toi. Merci. De rien. J'ai mon rhum, mon petit madame. Encore ? Putain, la vache. Toujours plus. Par contre, t'es un peu bas en point de vie à l'heure actuelle. Ouais. Bon, après, j'ai une soie de feu encore sur moi, puis j'ai encore une deux barbes de thunes. Pas de panique. La salle du boss. Casser la porte. Allez, 6% c'est 100%. Bon, allons taper un merling nul. Ses copains, ils ont l'air pas trop nuls. Ils sont nuls. Ça va les points de vie, wesh, ça me dérange. Tu peux pas mettre un petit coup de baïonnette juste dans le boss? Si, je te dis pas. Petit coup de baïonnette. Voilà. Et puis, on va taper, hein. Dans le boss, ouais. Hein. Dis-moi 120, 10-47, c'est pas grave. Alors, je peux que te givrer, mais non, je vais faire l'attaque de... Mais putain, non, ça va pas sortir, hein, ça me fatigue un peu. Putain, j'ai 95 d'intelligence, mais maintenant que j'ai enlevé mon chapeau, il ne veut plus rien sortir. Hein. La cartouche. La cartouche. Non. Et c'est ainsi que l'humanité fut détruite, noyée sous les océans. Non ! Ah mais merci, quand même. Pas un bateau. Aïe ! Pas un bateau. Non, mais il est plus dur que le bateau. Il va falloir sortir en soi de l'eau. Ouais. Pardon, mais il fallait. Bah ouais, pardon. Oh, ça va tellement bien le Merling. Regarde, t'as vu comment il a glissé hors salle et tout. Oh, il a traversé le potal et tout. Non, mais le Merling, hein, franchement. Par dessus le troisième potal. C'est clair. 90%, c'est 100%. Burn baby burn. Burn baby burn. Aïe. Ah, ça fait mal hein, quand il n'y a plus un mec pour envoyer des chocs électriques sur le coude. Hein. Ah, ouais, ça fait mal. Ça fait bien mal même. Toi. Coup de baïonnette à gauche. Bah non, je peux le tuer, je peux tuer celui de droite. Ah, d'accord, ok. Ah, t'es rechargé. Ok. Ouais, ouais. J'ai vraiment pas de coupé. Ah. Ouais. Ça aurait été très drôle qu'il se suicide en me tapant. Par contre, le 116 d'XP il fait tellement fait. Ouais. Qui n'a pas de panax? Pas lui. Oh. Elle est intéressante. Équipée. T'as dit que c'était intéressant. Moi j'écoute ce qu'on me dit. Ah non, non merci. Intéressant ou pas? Tiens, ça sera intéressant pour toi. Oh, nice. Utilisez. J'ai rien compris. Quoi? Non mais t'es con, c'est comment? Alors. Par contre, il y a une chose qu'on peut changer.
Et je suis toujours à mage à 95. Alors, tu vas faire quoi? Il a 25 d'armure. Et 21 de défense magique. On est bien ou on est bien? Oh, génial. Oh, putain. Trop fort avec ma magie du chaos. On est parfait. L'optimisation aux petits oignons, quoi. Eh, t'es même plus tanky que mon moine. En nombre de points, ouais. Ouais, bon, pétez le temps, on a compris. Déluge est annulé. Ouais. Guerrier du chaos. Ça va dire, mais il y a du monde dans cette petite boîte. Bon, allons voir la crique des... Et puis, ouais, bouge pas d'ici, ouais. T'as raison. Reste cool, bébé. Je connais. Je connais le coup. Je sais parler le belge. Oui. Regardez-moi. Ce guerrier chanceux, cette guerrière chanceuse et mage. C'est parti. Avec mon joli chapeau. Infernal. Oh, C'est récupéré. On n'en parle plus. Bordel. Voilà, et je suis magnifique. Hein. Ah, je suis magnifique, mes chéris, vous savez pas à quel point. Voilà. Je vais donc transférer la concoction au fameux voleur en question. Et puis bah moi je vais rester sur mon île là. Pour récupérer des points de vie là. En attendant qu'on me téléporte. J'adore ce truc. En fait ça nous décale juste d'une case, c'est pas trop. Ouais, mais ça pourrait te décaler d'une case sur un ennemi. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Oh, je suis trop con, j'ai pas pris la thune avant. Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais y aller aussi. Hein. Alors, une soie de feu, l'objet à récupérer. 500 PO, je pense pas qu'on en ait besoin. Ah. Ok. Récompense, 2114 pièces d'or. Ça, c'est rigolo. Il faut aller au grand sanctuaire de la sagesse qui convoyagera jusqu'à grand sanctuaire de la mer. On viendra avec Akrik le pirate avec des nouvelles débits. On recevra une modeste récompense. Sanctuaire de la sagesse, je crois que c'est celui que j'ai là, non? Oui, c'est le tien. Ouais, donc c'est tout à gauche. T'acceptes? Ah, pff, non, en vrai, on n'a pas besoin de quête pour l'instant. On peut laisser ça comme ça. Hein. En vrai, on s'en fout là. Hein. Ouais, putain. Et le marché, y'a quoi? Nous, on en a pour un appétit. Eh, t'es, y'a quand même tout un coin de map qu'on a toujours pas fait. Hein. Tout le haut à droite, on n'y est jamais allé. Ouais. Bon, la chanteuse, en plus, va falloir aller la péter parce que pour vous, ce serait bien. Ah, je viens de trouver la potence aussi. Ah, on voit la potence ou le sanctuaire de vie, de la vie. Mais ah, mais il est clean. On l'a déjà fait, j'ai le masque. Bah oui, c'est clean. Pourquoi ils nous ont remis des nuages? J'en sais rien. Peut-être parce que ça fait un moment qu'on n'est pas allé. Ah, non, j'en sais. Ouais, je sais pas. Bah écoute, je passe mon tour, je me repose un peu et puis ouais. Tu vas venir faire des achats donc exactement. Lui pareil. Il peut blander sur place au KLM. Bon, ça c'est du loot. Le destin m'a amené vers le loot. Regarde le loot, il est en haut. Mais t'es descendu d'une case. C'est pas moi qui ai décidé. Oh là là. Ah. Je vais quitter. J'ai quitté, j'ai merdé, je suis là. Arrête, c'est chiant ça par contre, hein. Dès que tu te déplaces un peu. Allez, ramasse le groupe. Ah, je peux pas l'atteindre. Par contre, je peux te filer la thune en attendant. Bah, ça sert à rien, on va faire. Je vais faire un tour de repos avec les deux. Ah, t'as raison. Ah, c'est bon. Ok. J'ai fait le con. J'ai envie de faire le con, j'ai fait le con. De la barbe de deux moulins du truc vert. Acheter un médaillon en or pour avoir plus de force. Si tu veux, c'est possible. Bah attends, je vais regarder ce que j'ai comme médaillon. Non, ouais, j'ai un crâne doré. J'ai bien de la force. J'ai un crâne doré qui me donne 3 de dégâts et 8% de chance de coup crit. Et là, il y a combien? Je vais vendre mon grand bâton d'éclair, c'est parti. Eh, j'ai 15% de chance de coup crit. T'as combien de chance de coup crit?
crâne de Deimos. Bon bah c'est vendu. Chapeau du vénère, est-ce que pour la blague on le garde dès que je croise un trésor? Vas-y, t'as oublié de le prendre tout à l'heure. En vrai, non, je l'avais. Ah, je l'avais sur la tête. D'accord. Non, ce qui fait qu'en fait il est très rentable vu qu'il ne se revend qu'à 18 balles, donc j'ai déjà rentabilisé deux fois au passage. Ouais. Putain, ça vaut cher hein. Waouh. Ah oui, on va vendre le rhum aussi, faut vendre le rhum, faut pas garder le rhum. Pas bien. Deux pièces d'or pour du rhum. Y a rien d'intéressant du tout dans ce bazar. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, la seule chose intéressante, c'est la quête avec 2100 pièces d'or là. Ouais, à la limite, on peut la prendre vraiment si vous y tenez, mais. Si t'y tiens avec tes bonhommes, mais en vrai, on en a pas du tout besoin. Financièrement, on va très très bien. Ah, je peux rien te donner, t'es chiant, t'es trop loin. Ouais. Oh non. J'en trouve des harpies à lui là. Prends ta tunasse. Alors prends pas toute ta tunasse. Donc je te donne la tunasse, il faut d'abord que moi j'aille à demander un petit service. J'aimerais prendre une auberge s'il vous plaît. Voilà, ça, je régénère quelques points au passage. Et effectivement, je te balance, excuse-moi, toute la thune. Merci. Voilà. Et tu peux donc te payer une auberge. Yeah. Et je peux même te rendre la thune, parce que je sais exactement que tu tiens. Énormément. Et on peut commencer à se diriger vers le bas. Exactement, pendant que moi je distribue ce que je dois distribuer. Oh non. Quoi? Quoi? J'ai pas vu qu'il y a eu. Quoi? Eu vent violent et du coup, j'ai passé. Ah, je suis dégoûté. Non, ça c'est pas très grave. C'est moins grave que moi qui fais le con et qui annule le filet de pêche, mais bon. Après, on pouvait se taper un Kraken, ça pouvait être rigolo. Il est où? Non, mais c'était avec l'histoire du filet de pêche, écoute pas ce que je dis. Donc, on va par là si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais. Putain, 30% c'est 100%, allez. Arc d'éclair. Ouais. J'ai du merdier à plus savoir quoi en foutre. Le grand requin garou, est-ce qu'on a envie d'abîmer le navire alors qu'on est à deux doigts de se faire le boss? Non, mais on peut faire le repère pirate en bas. L'idée, les temples de l'eau? Ah, il en reste. Ah, dans les marécages, on n'a pas trouvé effectivement le temple de l'eau. Il en reste deux à faire. Repère de pirate, il est là. Non, non, après, c'est un repère de pirate. Ah oui. Et après, c'est tuer le roi. Ouais, on peut y aller. On peut aller les tabasser, on est pas comme ça. Embuscade 70%, 100% en fait. Joseph. Je suis un ninja mage guerrier. Du chaos. Vous allez faire quoi, bande de nuls? Je suis un Zindlen. C'est à peu près ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux taper les mecs sur les côtés au passage. Parce que si tu m'enlèves celui du milieu, je peux plus faire mon nombre de chocs sur... sur le coup. Après, faut que tu fasses le one-shot, évidemment. Oh, la médiocrité. Tu le tues avec le 18 ou pas, là? Ouais, normalement, ouais. Ok. Bah, je crois. Bon, bah voilà, on va voir. Ouais, normalement, ça passe. Reste un mec avec 3 PV. Casser mon bateau. T'as autant de résistance. Ah, même pas, il a merdé son attaque parfaite, donc il m'a enlevé combien de points de vie? 19. Ah, c'était ridicule. C'était ridicule. C'est intéressant, hein. Je vais l'équiper. Ils ont pas la même ondague pour enfoncer mon petit côté assassin. Triclassé.
Bah je pense qu'on est bien en termes de taille d'épisode, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Ouais. On fait chier tout le monde là. Ouais. On dérange les gens là. Des bisous YouTube, à la prochaine. Des bisous.